Bonjour à tous, ici c'est Sorax et aujourd'hui, regardez un peu ce que j'ai sur moi. Vous devinez sans doute ce que nous allons faire. Nous allons enfin partir à la recherche de notre animal préféré qui est le Pégase. Je n'aime pas ce bruit. Ah bah elle est morte. Alors le Pégase qui va siéger tout simplement dans un petit enclos ouvert par ici. Voilà, comme ça. Un tout petit enclos. Un tout petit enclos, un enclos de riche quoi. Voilà. Car je suis un riche. Voilà. Donc vous voyez, hein, il va très bien vivre ici. Alors, ça, c'est pas un truc. Je vais quand même me faire une boussole parce que c'est toujours plus pratique. Tout de même. Ne soyons pas fous. Ah, un autre cheval ici. Donc, on va rechercher le Pégase. Alors, je vous montre tout de suite. J'ai augmenté un peu la facilité. Voilà, Pegasus, j'ai une chance sur. J'ai trois chances de le trouver. Donc voilà. Le but de cette aventure sera de chercher un Pégase. Donc là un petit épisode de recherche du Pégase. Je me rends compte que je n'ai pas assez de ah, comme on dit de métal, donc je vais en prendre un seul. Hop, je vais quand même laisser cuire hein. Et je me fais ma boussole. Voilà, merci bien. Hop, un petit bout de redstone. Hop, et voilà une boussole. Vous voyez, maintenant je sais la faire. Je suis habitué à en refaire une souvent. Allez, non. Non plus. On est parti. À la recherche du Pégase. J'ai bien envie de partir par là-bas. C'est un endroit que j'ai pas visité beaucoup. Ah ouais, ça c'est parce que j'avais fait un feu de joie il y a pas très longtemps. En fait c'était sans faire exprès, je voulais jouer avec la lave et un feu. Alors là on voit mon spliff à coude. Alors je vais faire comme la dernière fois hein. Faire comme ça et hop hop et voilà, on a débugué le truc. Alors on essaye de pas trop se faire mal hein, puisque vous voyez que je ne pas sans rien du tout sur moi. Je suis tout nu. Enfin non, j'ai mon skin, mais voilà. Bon. Espérons qu'on ne se perde pas. Vous voyez, j'ai aussi refait une épée en diamant. Oh. Je déteste les cochons. Peut-être que si en fait j'étais déjà venu par ici, ça me dit vite fait quelque chose. Bah, apparemment j'ai pas dû venir. Si j'ai dû venir, ça me dit vraiment vaguement quelque chose. Donc là on part à la recherche du Pégase. Il est déjà midi. Bon appétit. Je sens déjà. Oh. Alors c'est la première fois que je vois un truc comme ça, des monstres spawnés devant mes yeux. Alors est-ce peut-être un bug? C'est fort probable. C'est malin, je vais devoir manger. Alors un peu de laine, c'est toujours bénéfique. Oh, des citrouilles. Alors ça c'est très bien de savoir qu'il y en a ici, c'est plutôt pas mal.
Je viendrai les chercher plus tard. Nous, ce n'est pas notre priorité. Là-bas, il y a beaucoup de cochons. Regardez-moi ça. On va pas rester trop près d'eux. Alors, je sais pas s'il y a un moyen de trouver les Pégases plus facilement. Hein, ça, je pense que c'est au petit bonheur la chance. Hein. 3, c'est déjà énorme. Enfin, par rapport à certaines personnes qui le mettent à 1. Pour mettre un petit peu plus de difficulté. On a un petit lac de lave. C'est sympa, c'est sympathique par ici. Hein. Tout compte fait. Donc ce lac de lave qui va sans doute être utilisé pour la saison 2, hein, car je vous rappelle que la saison 2 se déroulera en partie dans le désert. Oh, je crois que j'ai vu quelque chose là-bas. Et c'est un lion. Et derrière, c'est un autre lion, donc on va pas trop s'en approcher non plus. Du moins, on va éviter... Alors, vous entendez aussi peut-être que je suis encore un tout petit peu enrhumé. Hein. Ah oui, aussi, j'ai commandé un serveur dédié, mais il y a seulement 2 slots dessus. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer qu'à 2 dessus. Et donc, vous allez avoir des vidéos en ligne avec un ami dont j'ai oublié le pseudo. Alors, je le connais IRL, mais j'ai oublié son pseudo. Oh, belle étendue de sable. Ah, c'est vraiment sympathique. Oh mon dieu, c'est quoi ce truc qui luit là-bas? Ah, c'est la lumière du jour. Oh, un escalier qui est fait juste exprès pour moi. Ça, c'est sympathique. Par contre, ça doit être un bon endroit où les monstres spawnent la nuit. D'ailleurs, je ne sais pas quelle heure il est, mais il va peut-être falloir que je commence à me faire un petit abri. Un abri en je sais pas quoi, puisque je n'ai aucune ressource sur moi. Heureusement, j'ai pris de la laine avec, je vais pouvoir transporter mon lit, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment magnifique comme carte. Quelle heure est-il? Bon, ça va, on peut encore, on va prendre un petit peu de ressources quand même, hein, on sait jamais. Alors là, je vais vraiment pas faire de l'esthétique. Ça va vraiment être très très moche. En même temps, dès que j'aurai mon Pégase, ça va être quand même beaucoup plus simple de se balader. Hein, parce que je rappelle que le Pégase vole, du moins d'après ce que j'ai pu lire. Donc, moi personnellement, quand j'aurai mon Pégase, rentrer chez moi, ça sera juste une partie de plaisir. Hein. M'étonnerait qu'il y ait des dragons qui volent dans ce jeu. Hein. Même des dragons tout court. Oh là 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 là. C'est une très belle carte. Hein. Par contre, il n'y a rien de plus de. Enfin, c'est juste impossible de construire ici quoi, c'est ah, peut-être ici, enfin un truc vite fait. Ah bah j'avais déjà du bois. Oups là, bon bah tant pis, j'ai changé la résolution de oh non. Ne dites pas que j'ai fait ça. Bon bah... Oh, j'ai qu'un dirt en plus. Vous voyez, heureusement que je m'y suis mis un petit peu plus tôt. Alors le but premier ici sera de... Je vais faire comme ça.
Mince, est-ce que j'ai une pelle sur moi? Et non. Voilà, donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, vraiment pas esthétique. Ah, oh, vous ne voyez plus rien, je sais, je sais, je sais. Et j'ai des torches, vous avez de la chance. Alors vous voyez, on va être assez limité en ressources. Ah, lumière! Lumière. Est-ce que j'ai une craft box avec moi? Bien sûr que non. Bon, ça me fait manger un petit pain. C'est un pain de moins pour le Pégase. Ah, pourvu que je trouve ce satané Pégase. Et maintenant, on se fait un lit. Hop, bon, vous connaissez peut-être le truc du lit. Voilà. Nous avons un lit que nous allons poser ici. Et j'ai remarqué que sur moi, j'avais ma montre. Des os. J'ai vraiment des trucs qui me servent à rien. J'aurais dû faire un petit peu plus attention. Et donc voilà, je me suis fait un lit. Je vais pouvoir dormir pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, voilà, le dirt. Parce que oui. Pour dormir comme il faut mettre du dirt au-dessus de sa tête. Donc voilà, moi je vais m'apprêter à dormir. Vous, vous allez vous apprêter à regarder ma prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime.